Oh. Dire la Fragmovie, voilà, est finie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette Fragmovie en musique. Donc voilà, c'était sur la bêta, c'est sur la dernière vidéo que j'ai pu record parce que j'étais malade et que j'avais d'autres jeux à faire et voilà. Donc voilà, je sais, c'est pas une excuse. Enfin si, c'en est une. Bon bref, passons du moins à ce que je voulais dire. Sur la bêta, franchement, de Battlefield 1, j'ai vraiment apprécié me battre dans le désert. J'ai pu faire quelques games avec les potos, mais j'ai pas pu record à ce moment-là. C'est bien dommage, parce qu'on avait fait des actions de malade. Bon, bref. Je pense que quand le jeu sera sorti officiellement, qu'on l'aura, je pense qu'il y aura des vidéos qui... ils découleront, on va dire que on va en faire, je pense. Du moins avec Taisho, Mike Brad, Apo et d'autres membres de la team et d'autres personnes, qui sait, on sait jamais. Donc voilà, donc mon avis que la bêta est bien, franchement, elle est bien rageante, il y a des moments, mais bon, c'est pas de fil. Donc voilà, il y a toujours meilleur que soi, ou tu es plus fort que le mec en face. Ou avoir aussi des bons FPS, c'est pas mal. Des FPS, ouais, ça sauve la vie. Donc voilà, donc aussi après, voilà quoi. Et aussi, par rapport à l'alpha, on va dire, de BF1, aussi, j'ai vraiment accroché aussi. Donc comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos sur l'alpha de Battlefield 1. Donc voilà. Perso, j'ai vraiment accroché cette map. Dommage qu'ils l'ont pas mis pour la bêta, pour les gens qui voulaient la tester, du moins. Mais bon, c'est bien dommage, je trouve. Ils auraient pu mettre les deux maps. Hein. Bon, bref, de toute façon, on le verra tous quand ça sortira. Mais bon, personnellement, j'aurais bien voulu la rejouer dessus.
Donc voilà, après toutes les armes sont bien, je trouve. Mais ce qui me chagrine, c'est que les armes, en fait, c'est des armes qu'on achète, mais ce serait bien qu'on achète qu'uniquement l'arme et qu'après qu'on puisse mettre des viseurs quelconques ou enlever le viseur. Parce que là, franchement, c'est relou, tu dois acheter une autre arme pour avoir la même arme mais avec un viseur. C'est un peu relou, je trouve. Mais bon, j'espère qu'ils font quelque chose d'autre ou si c'est comme ça va être un peu chiant. Mais bon. Mais bref, donc voilà, il y a juste ce truc que je pourrais reprocher, mais après, voilà. Ah si, comment dire, le teamplay, on va dire, c'était un peu merdique sur la bêta, je trouve. Enfin, du moins, il y a des gens, ils faisaient n'importe quoi, quoi. Donc c'était un peu chelou. Mais bon, on fait avec. Donc voilà, donc je pense que mon avis sur la bêta et l'alpha, on va dire, voilà. Ben voilà, c'est fini. J'espère que vous qui avez testé le jeu, vous avez apprécié. Et ceux qui avaient vu mes vidéos, vous avez apprécié aussi. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était Guincho. Bye bye!